Indiens d'Amérique vivant au pied de la tour du diable. Un jour, cette petite fille qui jouait paisiblement furent attaquées par un ours. Elles se réfugièrent sur un rocher brusquement surgi du sol. Sa structure prismée sera la trace des griffes de l'ours qui ne put jamais les atteindre. Le volcan Oldoinyo-Lengai est la demeure d'Ingai, dieu qui créa la savane africaine et le peuple Maasai. Seul digne d'élever les ébus qu'il leur avait offerts. Les Maasai pensent que les cendres projetées par le volcan sont le signe que les prières faites à Ingai ont été exaucées. En 1660, une coulée du Vésuve menace un village italien. Une procession est organisée. Soudain, de petites croix tombent du ciel. Est-ce un signe de Saint Janvier, protecteur des populations face au volcan? Plus prosaïque, la science y voit des pyroxènes. Cristaux noirs jaillissent du cratère. Les éruptions du Bromo. En Indonésie, en saupoudrant de cendres les terres alentour, permettent trois récoltes de riz par an. Chaque année, une fête joyeuse, le Kesodo, est organisée en l'honneur de Brahma, dieu hindouiste qui apporte prospérité et protection. Abrite la déesse qui fait fleurir les cerisiers. Les pétales, emportés par le vent, symbolisent le caractère éphémère de la vie. Le Fujisan est aussi un lieu de pèlerinage essentiel. Tout Japonais doit, au moins une fois dans sa vie, gravir ce volcan pour saluer le soleil levant et à travers lui, la déesse fondatrice du Japon. Sa demeure. D'un coup de talon rageur, elle déclenche les éruptions. Elle vous apparaîtra sous les traits d'une belle jeune fille. Retrouvez ses larmes et ses cheveux, une goutte de lave pétrifiée. Offrez-lui des fleurs, des fruits et des prières. Mais gardez-vous de l'offenser. Elle est si susceptible.